Qu'est-ce qui, d'après toi, est le plus intéressant à vendre? Des pommes ou alors des jus de pommes? Il est évident pour tous ceux qui ont un minimum de connaissances en termes de business que le jus de pomme est beaucoup plus rentable que les pommes, puisque avec du jus de pomme, tu apportes plus de valeur ajoutée à tes clients. Il se trouve que la notion de valeur ajoutée est au cœur même de tout enrichissement. Et ceci est valable même au niveau des États. Quand on regarde quel est le niveau de richesse d'un pays, on regarde ce que ce pays apporte comme valeur ajoutée à ses citoyens, mais aussi bien évidemment au reste du monde entier. Et ceci peut être vu dans ce que l'on appelle une balance commerciale. La balance commerciale permet de voir tout ce qu'un pays achète, tout ce qu'elle fait comme commerce avec l'extérieur. Et les balances commerciales africaines sont très révélatrices en ceci que quand on les prend, on se rend compte que ce que nous vendons essentiellement au reste du monde, ce sont des matières premières, en d'autres termes, des pommes. Nous ne vendons pas de jus de fruits. Nous ne vendons que des pommes. En revanche, quand vous prenez les balances commerciales des autres pays, des pays notamment développés, vous allez vous rendre compte qu'ils vendent beaucoup, beaucoup de jus de fruits et très, très, très peu de pommes. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'ils vendent beaucoup de produits transformés et très peu de matières premières. Ceci explique donc pourquoi est-ce qu'ils sont en réalité riches. Je sais que certaines personnes, quand il s'agit du continent africain, aiment bien mettre en avant notre histoire. Et c'est vrai que notre histoire, elle est triste. 400 ans d'esclavage, plus de 100 ans de colonisation, du néocolonialisme qui continue jusqu'à aujourd'hui. Forcément, tout ceci marque profondément un peuple et il ne l'aide pas à s'en sortir. Mais à un moment donné, on ne peut plus continuer uniquement de regarder au passé si on veut avancer. On doit s'en servir pour comprendre comment se prémunir des attaques extérieures, mais décider d'avancer. Et il se trouve que quand je regarde comment est-ce que nos pays sont gérés aujourd'hui, je remarque que nous avons fait la stratégie de la pomme. Nous avons décidé dans nos pays de ne pas investir dans ce qui apporte le plus de valeur ajoutée économiquement. Nous avons décidé, au contraire, de faire ce qui est très facile, de vendre aux autres ce que nous-mêmes nous ne connaissons pas et nous ne maîtrisons pas. Parce qu'en fait, quand vous transformez un produit, eh bien, vous devez le maîtriser, vous devez le comprendre, le connaître. Les Africains se galvaudent, se galvanisent et disent partout, oui, on a le cobalt. Sans nous, les téléphones portables, eh bien, vous ne les aurez pas. Ok, d'accord, le cobalt est forcément précieux. Mais je vous pose une question très honnête. Ok, beaucoup d'entre nous ici ont peut-être fait leurs études en Afrique. Si on vous met du cobalt dans la rue un jour, vous pouvez le reconnaître, vous? Alors, du manganèse. On nous met du manganèse là. Vous pouvez le reconnaître? On nous met du pétrole brut. Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Très peu d'entre nous peuvent les reconnaître. Et pourtant, nous sommes les premiers à dire partout que nos pays sont remplis de ces matières premières. Qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux démontrer que l'Africain lui-même est le premier à totalement ignorer ce qu'il possède comme richesse. Nous en sommes totalement ignorants. Nous ne savons pas du tout ce qu'il y a dans nos sols. Est-ce que vous imaginez que des pays africains aujourd'hui ne savent même pas quelles sont les richesses qu'ils ont dans leur sol? Et ce sont souvent des explorateurs, des sociétés minières occidentales qui viennent en Afrique et font des découvertes. Et quand elles font la découverte, on entend les Africains chanter partout. Ah, on a du pétrole, on a du pétrole. Qui vous a dit que vous aviez du pétrole? Ce sont les Occidentaux qui sont venus, qui ont fait les fouilles et ont découvert le pétrole. Et nous, on vient chanter, on a du pétrole. Ok, on a donc le pétrole. On sait l'exploiter, on sait le raffiner, on sait le traiter. Non, on ne sait rien du tout. On sait juste dire. On a du pétrole. Et je crois que c'est cette mentalité-là, la mentalité de la matière première, dont on se galvaude, qui nous pose énormément de problèmes. Je pense qu'on devrait avoir honte. Honte qu'en 2020, nous ne soyons pas capables d'identifier nos matières premières et encore moins de les transformer. Parce qu'en fait, je crois que notre principale raison de pauvreté, c'est celle-là. Alors, je sais qu'il y a d'autres facteurs, qu'il y a d'autres paramètres. On peut parler de la monnaie, mais je tiens à rappeler ici que même si je suis d'accord du fait qu'il faille changer cette monnaie-là, le franc CFA, je tiens quand même à rappeler aux gens ici que beaucoup de pays en Afrique ont leur propre monnaie et sont dans la galère. Pourquoi? Eh bien parce que être souverain monétairement ne suffit pas à s'enrichir. Ceux qui pensent que parce qu'on va changer de monnaie, tout va aller mieux le lendemain, vous vous mettez le doigt profond dans l'œil. OK? La monnaie, c'est super important, je suis d'accord dans une économie, mais ça ne fait pas l'économie. La monnaie est un outil. Si vous n'avez rien à vendre, la monnaie ne vous sert pas à grand-chose. Et il se trouve que nous, tout ce que nous vendons aux autres, ce sont des pommes. Ce sont des pommes. Nous ne vendons pas des jus de fruits. J'ai commencé par vous prendre l'exemple, effectivement, du fait que nous ne pouvions pas reconnaître nous-mêmes les fameuses matières premières dont nous nous vantons pourtant.
J'ai aussi mis en avant le fait que, en réalité, nous sommes pauvres de notre absence de technologie. Parce que tous les éléments que l'on peut voir, comme les téléphones et autres, dont on parle souvent quand il s'agit du cobalt, si l'Occident n'a plus de téléphone, n'a plus de cobalt chez nous, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous, on est capable de prendre la matière première cobalt et de la transformer pour pouvoir la mettre dans un téléphone? Bien sûr que non, on n'a pas cette technologie-là. Et c'est bien ça tout le problème. C'est que, c'est ce que je dis, on a des matières premières qui, en réalité, si les autres ne disaient pas que ces matières-là les intéressaient, on n'en ferait rien. Parce que le cobalt, il ne sert à rien en RDC. Parce que le manganèse, il ne sert à rien. Le fer, il ne sert à rien. Le gaz, le pétrole, ces matières premières-là ne servent à rien tant qu'elles sont sur place. Ce sont les autres qui viennent parce qu'ils ont la technologie. Ils les découvrent, les extraient, les acheminent chez eux, les transforment, les exploitent et nous ramènent les produits finis. Alors déjà, sont commercialisés en Occident et de temps en temps, quelques miettes reviennent chez nous à prix très coûtant. Et donc, ceci devrait nous faire vraiment réfléchir à où sont les véritables enjeux du développement. Est-ce que le développement est uniquement politique parce que nous avons de bons dirigeants. Je rappelle qu'il y a des pays en Afrique qui ont de bons dirigeants. On peut prendre le Ghana. Le Ghana a une série de bons dirigeants depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce pour autant que le Ghana est devenu un pays plus développé que la Côte d'Ivoire à côté? Pas forcément. Par contre, vous allez vous rendre compte que le Ghana est en train de se battre vers quoi? Vers l'acquisition de la technologie. Donc en fait, je pense que l'obsession de toute nation qui veut se développer devrait être d'acquérir la technologie. Les Chinois sont devenus hyper puissants aujourd'hui parce qu'ils ont la technologie. Parce qu'ils ont la technologie, alors ils peuvent se passer des États-Unis, ils peuvent se passer de l'Europe et ils peuvent même vivre s'il le faut en autarcie et en étant fermés parce qu'ils ont la technologie. Si on dit aujourd'hui que l'on va chasser toutes les multinationales de l'Afrique, mais attendez, l'Afrique risque de rentrer en 1500. On risque de faire un bond spectaculaire en arrière. Déjà qu'on a un fossé par rapport aux autres technologiquement, si toutes les multinationales s'en vont aujourd'hui avec tout le peu de technologie qu'elles apportent déjà sur place, eh bien ça va être juste catastrophique pour pouvoir se relever. Parce qu'on ne s'est pas préparé à cela. Quand vous voulez que quelqu'un parte de chez vous, vous devez vous préparer à son départ. Sékou Touré, quand il a dit non au général de Gaulle, un des moyens que le général de Gaulle a eu de le saboter, c'était de faire partie du jour au lendemain toute l'administration. Ça veut dire que Sékou Touré, en disant non au général de Gaulle, aurait aussi dû préparer la transition pour être sûr qu'en disant non, il peut avoir encaissé toutes les répercussions du non. Quand nous disons aujourd'hui que nous ne voulons plus donc de, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus les multinationales, pour ceux qui tiennent ce discours-là, on les remplace par quoi? On les remplace par quoi? Par ton bon discours sur Internet? Est-ce que ce sont nos petites phrases sur Internet qui vont remplacer les multinationales? Qui vont remplacer, je ne sais pas moi, les brasseries, les banques, les cimenteries? On remplace tout ça par quoi quand toutes ces entreprises sont parties? On ne construit plus? On ne boit plus? Ah, si tu dis que les gens ne boivent plus, ça va créer une guerre, hein? Donc voilà. Comment tu fais? Tu dois pouvoir proposer des alternatives. Mais pour proposer des alternatives, il faut que tu aies acquis la technologie. Donc moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que la grosse erreur qu'on a faite sur notre continent, c'était de penser que notre richesse la plus précieuse était dans la terre, était dans la mer. J'ai parlé récemment du cas du poisson au Sénégal. On est tout le temps en train de vendre aux autres la matière première. On vend les pommes. Parce que quand on permet aux navires étrangers de venir et d'aller dans la mer et de prendre les poissons, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des pommes. On leur donne la matière première. Et eux, ils prennent donc cette matière première, vont la transforment et la vendent chèrement. Donc, je pense que la bataille du continent prioritaire aujourd'hui, c'est celle que Cheikh Anta Diop nous a demandé de mener. Il ne nous a pas dit armez-vous de politique jusqu'aux dents. Non, armez-vous de science. Armez-vous de science. Et mon interpellation ici, elle est vraiment vis-à-vis de tous ceux-là qui sont encore dans des études ou alors qui peuvent financer des études, à sérieusement se poser la question par rapport à la science. Quelles sont les technologies du futur? Quelles sont les technologies dont mon pays a besoin pour s'orienter là-dedans et aller apprendre? Si nos gouvernements aujourd'hui n'investissent pas assez là-dedans, la société civile, les privés, les particuliers, les hommes d'affaires peuvent investir là-dedans. On peut investir dans la technologie dans nos sociétés pour faire qu'on ait des pôles de R&D qui se développent.
On peut investir dans la science au travers des écoles que l'on va créer, en allant chercher les meilleurs profs dans le monde entier, en faisant qu'ils viennent enseigner chez nous. Il y a plusieurs manières, et ça, l'Occident ne l'empêche pas. On a des écoles d'élite qui sont en train de se créer sur le continent africain. Il en faut beaucoup plus. Mais il faut que ces écoles aient un focus. Science. Science, science, science. Parce que tant que tu n'as pas la science, tu es dépendant des autres. Prenons un petit pays comme la Corée du Nord. Petit, petit pays du dictateur Kim Jong-un, comme on l'a si fièrement, chèrement catalogué. Il est peut-être réellement d'ailleurs un dictateur. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore allé déloger ce monsieur comme on a pu déloger Gbagbo? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Kim Jong-un a les moyens de nuire à tout le monde sur la planète grâce à l'arme nucléaire. Petit Kim appuie sur un bouton et il fait mal au Japon, mal à la Chine, très mal aux États-Unis. Donc, du coup, forcément, quand on lui parle, on prend certains égards parce qu'il peut faire mal. Et il a compris que nous vivons dans un monde dans lequel rien que le rapport de force compte. Et nous, je pense qu'on devrait bien le comprendre. Ce qui va nous sauver demain, c'est l'acquisition de la technologie pour pouvoir inverser les rapports de force. Tant qu'on n'aura que la matière première, l'Afrique sera une terre de guerre. Les gens viendront faire les plus grosses et les plus affreuses guerres sur le continent africain parce qu'ils veulent acquérir les matières premières. Par contre, le jour où on sait les transformer, eh bien, ces gens n'ont plus la place chez nous. Le jour où on sait créer des armes, les, comment j'appelle ça là, les bases militaires n'ont plus lieu d'être. Mais tant que tu viendras à la table pour supplier, dis s'il vous plaît, partez avec vos bases militaires, on pourra toujours te présenter quelques billets et te dire tais-toi. Par contre, le jour où tu as la technologie pour dire écoutez, j'ai plus besoin de vos armes, moi-même je peux me défendre, je n'ai plus besoin de vos sociétés, moi-même je peux les construire, je n'ai plus besoin de ceci, moi-même je peux le faire, et bien ton indépendance véritable, tu l'acquiers à ce moment-là. Et donc je crois que c'est ça la véritable indépendance. C'est quand économiquement, tu sais toi-même prendre soin de tous ceux dont tu as besoin dans ton environnement. Aujourd'hui en Afrique, on ne sait pas faire des réfrigérateurs, on ne sait pas faire des voitures, des technologies basiques que le reste de la planète a déjà maîtrisées. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Je ne sais pas ce que tu en penses, dis-le-moi dans les commentaires. Et bien évidemment, partage la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à qui que ce soit. À très bientôt!